On bouge dedans. Hey, non, 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 non. Fumez pas, ne fumez pas. Nous fumons pas. Allez, avec. Allez, allez. Allez. Ici, arrive pas à arracher ça. On ne veut plus. Non, on continue seulement. Mon TikTok. Continue. Appelez tous les docteurs du carrefour. Ah voilà l'autre. Lorsque vous, on a déjà vu le papier. Voilà, modé d'emploi. Lorsque vous appuyez le papier avec le lubrifiant à l'intérieur. Que le lubrifiant s'étale entièrement sur le préservatif. Après que le lubrifiant s'étale entièrement sur le préservatif, vous pouvez maintenant l'ouvrir. Il y a une flèche qui indique le lieu d'ouverture. Vous pouvez vous retirer le préservatif. Après avoir ouvert le préservatif, le partenaire ou la partenaire peut introduire le vagin de sa partenaire. Alors, pour l'introduire, qu'est-ce qu'on peut faire? Cet anneau, non? La base, cet anneau-ci. On tient ça, on pince ça, la forme 8. Si c'est la partenaire qui utilise, elle doit se rassurer qu'elle n'a pas d'angle qui peut percer le préservatif. À défaut, elle laisse son partenaire utiliser. Elle introduit cette base à l'intérieur de son vagin. Et à l'aide de son doigt, elle pousse le préservatif un peu plus loin. Alors, cet anneau, cette partie supérieure, doit rester au niveau des lèvres externes, n'est-ce pas? Maintenant, et à l'aide de son pénis, elle tient le pénis de son partenaire qui est déjà en érection, je précise bien, et introduit à l'intérieur de ce préservatif. Et on peut faire vos rapports sexuels en toute sécurité. L'avantage de ce préservatif est que, premièrement, il faut éjaculer autant de fois qu'il peut avec ce préservatif. Ce n'est qu'à la fin du rapport sexuel que le préservatif peut être retiré. Et donc, je vous montrerai comment ça se passe pour retirer. La femme peut porter ce préservatif. Elle peut porter cet actif parce qu'elle peut avoir les rapports sexuels avec son partenaire en soirée. Elle peut le porter en matinée. Ça ne pose pas aucun problème. Elle ne sait pas qu'une seule fois. Après un rapport sexuel. Après le rapport sexuel. Après que le préservatif est si bien que vous avez fini le rapport sexuel, on ne peut plus le laver pour le réutiliser. Impossible. Comment le préservatif s'utilise? On le tient comme ceci. On tient à cet avantage. Si vous avez un mouchoir de préférence,
c'est mieux, n'est-ce pas, hein? Pour retirer. Parce que quoi? Je le dis pourquoi. Si vous avez des blessures au niveau des doigts, et que ce homme par exemple qui retire, vous voyez, si ça appartenait à infecter, vous voyez que vous pouvez facilement entrer en contact avec la maladie.